Salut tout le monde, salut Bruno. Salut Baptiste, salut à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter deux plaques électriques de chez King Coco, la toaster et la grille. Donc la toaster qu'on va commencer à présenter, qui est à 1000 watts. Qu'est-ce que tu peux nous dire Bruno sur ses caractéristiques techniques? Alors, pour commencer, elle a une pince. Ouais. Multifonction, on a des crochets en bas qui vont permettre de prendre une plaque amovible. Ok. Capacité de la plaque, entre 18 et 20 charbons carrés et 16 triangles. D'accord. Charbon naturel. On a un petit crochet devant qu'on peut prendre aussi avec la pince. Hop. Pour soulever en fait le bloc complet. D'accord. Si okay. Jamais en fait on a fait beaucoup de sessions, on a beaucoup fait chauffer, mais on a un petit endroit, on a une petite table basse, on présente tout, on met ses chichas en chauffe et on peut partir avec, ouais, donc soulever c'est ça. Sans le toucher parce que ça reste très chaud. Donc pour pas le toucher, hop, on a quelque chose pour soulever et partir avec. Donc ça c'est pas mal. Et ensuite la pince, fonction première. Prendre des charbons. Je prends. Donc ça. Donc bien sûr dessus, il faut le dire, c'est bête, mais on peut mettre du carré, du triangle et du rectangle, tout type de charbon confondu. Oui, ça reste une plaque assez sexy, j'ai envie de dire. Oui, le petit gris est sympa, franchement, ça sort de l'ordinaire. Ça se faisait beaucoup en rond, là ça se fait en carré, c'est quand même plus réfléchi, parce que l'air de rien, ben, charbon, bien souvent, ils sont carrés ou triangles, ouais. On va quand même en mettre un peu plus. Donc là, vraiment, pour les carrés, on peut en mettre vachement plus, quoi. Et donc du coup, pour présenter, et c'est une bonne transition, le deuxième produit, la grille, on est ouais. Quasiment ben, sur une plaque type classique, si ce n'est quand même 2-3 améliorations sympathiques. Ouais, quoi. Quand même. Déjà, on est sur une 1500 watts, donc on est sur une plaque qui chauffe assez vite. Parce qu'on très peut dire, il y a une différence de chauffe entre les deux. Oui, 1000 watts, 1500 watts, 8 minutes. Donc ouais. On va dire chauffe classique, même sur une plaque courante, on va avoir la même chauffe. Par contre ici, 1500 watts, 4050, ouais, 5 minutes. Ça envoie de la patate. Très rapide. Alors le gros point fort de la grille, c'est surtout les deux poignées qui permettent de carrément soulever en fait votre plaque. Sans pour se autant se brûler quoi. Donc, pareil, ça va être le même système qu'ici. Quand on va servir les charbons, ben, c'est pareil. Avant, on avait une plaque, on prenait les mains, on mettait un petit peu comme on pouvait. Là, on a deux poignées, donc on peut la soulever, ouais, on peut la prendre. Et donc voilà, c'est beaucoup, beaucoup plus pratique. Beaucoup plus ergonomique. Par contre, sur la grille, combien de charbons on peut mettre? Alors, ça va être un peu moins de capacité, mais okay. Un peu plus de capacité qu'une plaque classique. Ici, on va être sur 16 charbons carrés et okay. À peu près 12 en triangle. En sachant qu'on a un petit rayonnement de plus, donc on va pouvoir mettre un peu plus de charbon, par rapport à une plaque classique. Après, c'est sûr que par rapport au toaster, on va mettre un peu moins. L'avantage, c'est la puissance et la rapidité. On est quand même sur deux produits King Coco avec une bonne finition. Très bonne finition, très cossu. Peut-être qu'on peut dire truc tout bête, mais les plaques électriques, petite astuce du jour, ça ne sert à rien de les tirer au maximum. Non. Il faut savoir que le petit... Le contacteur, ouais. Le contacteur qu'il y a devant, sur chaque plaque, on l'entend là, à chaque fois, ouais. Le petit tic, c'est juste une languette qui se touche. Donc du moment où elle se touche, ça marche. Même si on met à 1, 2, 3 ouais. Ou 5, en tous les cas, il n'y a pas automatiquement de puissance et de régulateur en plus. Donc en fait, du moment où on la fait tourner, elle marche. Voilà, je pense que ne reste qu'à dire que c'est disponible sur le site narguilux.com. Oui, au prix de 19,90 pour la toaster. Le toaster et 24,90 pour la grille. Et aussi disponible dans nos boutiques à Salon de Provence et à Marseille. Merci à tous, ciao, à bientôt, ciao. Au revoir.